Dès l'ouverture d'À la recherche du temps perdu, Proust évoque la lanterne magique de son enfance, avec laquelle à Combray, le soir venu, on essayait d'apaiser son angoisse. On avait bien inventé pour me distraire, les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux, de me donner une lanterne magique dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait la lampe. Et, à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores où les légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Ces projections lumineuses occuperont une place privilégiée dans le monde visuel de l'écrivain, exerçant sur lui une véritable fascination. Objet donnant à voir une image recréée, la lanterne répond aussi à sa curiosité pour les appareils optiques, tels que le stéréoscope, le kinétoscope ou le kaléidoscope. Mais pour toujours associer au crépuscule et à sa tristesse à l'idée de monter se coucher loin de maman, au lieu d'apaiser l'enfant, elle renforce son angoisse. Telle la projection terrifiante de la légende de Geneviève de Brabant, où le maléfique Golo en robe rouge sort de la forêt et chevauche vers le château. Golo, le personnage négatif, l'ennemi, l'assaillant. Se confond-il dans l'esprit de l'enfant avec Swann, l'auteur inconscient de ses tristesses, qui en venant dîner empêche maman de monter lui donner un baiser? Et la forêt du conte n'annonce-t-elle pas l'antique forêt de Guermantes, comparée par l'auteur à l'illustration enluminée d'une chronique mérovingienne? La lanterne magique semble donc porter en elle toute l'œuvre en abîme, ses deux côtés réunis dès l'origine, celui de Swann et celui de Guermantes, tout comme ils le seront à la fin, quand Gilberte, fille de Swann, épousera un Guermantes. Et dans Le Temps retrouvé, dernier tome du cycle, la lanterne magique devient la métaphore du temps lui-même lorsque, chez la princesse de Guermantes, le narrateur retrouve les personnages de son enfance abîmés par les années. Des poupées, mais que pour les identifier à celui qu'on avait connu, il fallait lire sur plusieurs plans à la fois, situés derrière elles, et qui leur donnaient de la profondeur, et forcés à faire un travail d'esprit quand on avait devant soi ces vieillards fantoches, car on était obligé de les regarder en même temps qu'avec les yeux, avec la mémoire. Des poupées baignant dans les couleurs immatérielles des années, des poupées extériorisant le temps qui d'habitude n'est pas visible pour le devenir, cherche des corps et, partout où il les rencontre, s'en empare pour montrer sur eux sa lanterne magique.